Thank you.
J'aimerais vous dire vraiment what Gothic Lord is, ce que c'est, and what our form is. Et ce que c'est notre forme. Gothipwa means one boy. Gothipwa veut dire un garçon. Earlier, this time was performed in the temples only. Plus tôt, dans les anciens temps, cette danse était présentée que dans les temples. Dancing girls were dedicated to the temple. Les filles danseuses étaient dédiées au temple. To regular daily ritual services. À des services rituaux quotidiens. Like lighting a lamp or offering flowers. Éteindre une lampe, offrir des fleurs. Dancing and music were one of the services of the temple. La danse et la musique étaient, elle aussi, un des services du temple. So, dance has grown with the growth of the temple in Orissa. Ça veut dire que la danse a grandi pendant que les temples ont grandi en Orissa. Earliest dedication of dancing girls to the temples was found. La première dédication de jeunes filles dansantes au temple in 7th century AD. Est commencée dans le 7e siècle après Jésus-Christ. Till 16th century, jusqu'au 16e siècle, this dance form was performed in the temple without any interruption. Jusqu'au 16e siècle, on a présenté ces danses dans le temple sans interruption. And in 16th century, Lord Chaitanya came to. Lord Chaitanya is the teacher of a cult called Vaishnava cult. Dans le 16e siècle est venu ce maître dont elle vient de nommer le nom, who worship Lord Krishna. Qui adorait le dieu Krishna. At that time, à ce temps-là, one of the followers called Rai Ramanand, un de ses dévotés qui s'appelait, for the first time brought Mahari. Mahari. Pour la première fois, a créé des Mahari. Mahari is the name of the dancing girl. Le nom pour décrire ces filles dansantes. Which literally means maids of the god. Qui veut dire littéralement les servantes de Dieu. He brought Maharis outside the temple to propagate the cult of Vaishnavism. Il a fait sortir ces filles dansantes du temple pour danser publiquement afin de faire épandre le worship, l'adoration de Vishnu. So for the first time, Mahari was brought out the temple. Ça veut dire que c'était la première fois que les Mahari, ces filles dansantes, sortaient du temple pour danser. But after Lord Chaitanya, after Sri Chaitanya, après cet homme-ci, Vaishnava did not approve dancing by women. Celui qui suivait l'homme qu'on vient de nommer n'aimait pas que les filles dansent publiquement. Because in their cult, in their code of philosophy, parce que dans leur code, dans leur philosophie, women, company of women was prohibited. Il n'y avait pas de femmes permises. So they took up small boys. Alors, on a trouvé, au lieu des filles dansantes, on a trouvé des garçons. Dressed them up as girls. On les a habillés de filles. And they started dancing. Et eux, les garçons, ont commencé à danser. And because he thought by dance and music they can attract more crowd. Pour attirer encore du monde à l'adoration de Vishnu avec la danse de ces jeunes garçons. And by the end of 16th century, Orissa lost her independence. À la fin du 16e siècle, l'Orissa a perdu son indépendance. And really, the cultural life was affected. Et la vie culturelle en a souffert. And the kings successively came under many foreign rules. Les rois étaient sous la domination de l'étranger. And the dancing girls who were attached to the temples. Et les filles dansantes dans les temples. They were brought to the courts. On les a fait venir entrer dans la cour. And then it took a different mode. Et la danse a pris une nouvelle forme, une nouvelle mode. After that,
losing the devotional fervor at that time. Alors l'aspect religieux, la passion religieuse a été perdue. Some of the Gotipuas and Dev Maharis. Quelques-uns des Gotipuas, quelques-unes des Maharis. Teachers. Des enseignants. Got together. Se sont rassemblés. And revived what you see today. Et ont retrouvé, réinventé la forme telle que vous avez vue aujourd'hui. And after the revival started. Après cette période. There was a very small boy. Il y avait un tout petit garçon. About 3 years old. Qui avait à peu près 3 ans. Whose father was a great percussionist. Dont le père était un percussionniste très célèbre. And used to conduct a group called Krishna Lila. Avait un groupe qui s'appelait. Krishna Lila means the people who act or sing the activities of Krishna. Ce qui veut dire les gens qui jouent ou qui chantent sur les activités de Krishna. While his father was playing the drum. Pendant que son père jouait au tambour. And singing the songs of Krishna. Et chantait les chants de Krishna. This small boy used to imitate him going at his back. Ce petit garçon le suivait, allait derrière lui et l'imitait. And his interest grew. Son intérêt est devenu plus grand. There was an opera party in his village. Il y avait an opera party. And seeing his talent. Ah, en voyant comment il était doué. This boy's talent. This opera party asked him to do some piece. Un troupe d'opéra lui avait demandé de jouer un petit rôle. In their opera. Dans leur opéra. So he gladly joined it. Il l'a fait, heureusement. Then, afterwards, there were two Gotipua groups. Alors, groups were there il y avait ensuite deux groupes de Gotipuas. And every day he used to, when his father, because his father did not like the Gotipua group. Son père n'aimait pas le groupe de Gotipuas. Because of the degeneration that was, that had started and the corruption amongst them. À cause de la dégénération de la forme, à cause de la corruption qui était parmi eux. Because they were looked down. On se dédaignait de leur. This boy without the notice of his father. Alors sans le dire au père, ce petit garçon. Every day went to watch the Gotipua dancers. Allait chaque jour regarder les danseurs Gotipuas. He was afraid to go inside. Il avait peur d'entrer en salle. So he slowly watched through the window. Il regardait à travers un petit trou dans la fenêtre. One day, the teacher said, "Why are you looking through the window?" Un jour, le maître lui avait demandé, "Pourquoi tu regardes à travers la fenêtre?" "Are you interested in learning?" "Ça t'intéresse, si?" He said, "Yes." "Oui." And then, That is the boy, Guru Kelucharan Mahapatra. Et le guru, and now we ask ce petit garçon, c'est le guru. Guruji to tell how was his learning period. Maintenant, on va demander au guru de nous expliquer son apprentissage. D'abord, when they start the exercise, quand on commence l'exercice, in the morning, le matin, they apply oil, on met in the de l'huile, then they start with exercise. We will only give you examples because the time is very short. And après l'application de l'huile, on commence les exercices. On vous donne quelques exemples. Il n'y a pas assez de temps pour montrer tous les exercices. Beginning. Le début. Deuxième. Thank you.
state. Avec le rythme. On a aussi beaucoup d'exercices de ce type, exercices d'acrobatie. Des exercices pour les extrémités, pour les jambes. Pour faire. Plat. Autre exercice. Then comes the body exercise. Pour le corps. The torso. Pour le torso. Because torso play a very important role in our dance form. Parce que le torso joue un rôle très important dans notre danse. Bend. En se pliant. Autre exercice. We have various exercises of feet. On a des exercices pour les pieds, torso, le torso, neck, le cou, la tête. Later we will explain about it. Ces exercices-ci, on va les expliquer plus tard. But now, he is going to tell you what is the first, after learning all the technical aspects. Il va maintenant vous expliquer quelle est la première chose qu'on fait après avoir appris les aspects techniques. As a, what Abhinaya, what expressional item he did in a female role. Le premier Abhina, ça veut dire l'expression qu'il a appris pour jouer un rôle féminin. So here, the Radha. Radha is the heroine. Ici, c'est le rôle de Radha, l'héroïne. And Krishna is the hero. Et Krishna, c'est lui l'héros. So Radha here tells Radha. Her female friend. Radha explique à son amie féminine. Today I have seen Krishna. Aujourd'hui j'ai vu Krishna. How beautiful he is. Comme il est beau. And he has got a flower in his head. Il a une fleur ici dans les cheveux. And a peak of feather. Une plume de paon. So how lovely he looks. Qu'il est beau. That is, he is not going to do the whole thing, only a stand. Il va montrer seulement ce petit extrait.